Salut, David Nishon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais être bref, je vais juste vous donner un seul moyen d'apprendre vite et bien un langage de programmation. D'accord? Le seul moyen d'apprendre un nouveau langage de programmation, c'est de réaliser de petits projets avec ce langage. Rien de tel que de se projeter dans la pratique. Ne perdez pas trop votre temps à apprendre la théorie, apprenez juste les bases. La structure des données, hein, les blocs universels du coding, et ensuite lancez-vous dans la réalisation de projets pratiques que vous pourrez présenter à des prospects sur LinkedIn, à des gens un peu partout dans vos réseaux et sur votre site web personnel. Donc, je vous dis, réalisez des petits projets. Exemple de petits projets, ça peut être un blog, d'accord, ou cloner Twitter, ou Facebook, ou Airbnb, ça dépend ce que vous voulez, avec le langage que vous voulez apprendre. Donc, réalisez-vous de petits projets, ça ne va pas prendre des jours, des semaines, quelques heures pour réaliser un petit truc. On ne demande pas à ce qu'il ait toutes les fonctionnalités requises, mais juste de quoi montrer aux gens ce que vous êtes capable de faire avec ce langage. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi, est-ce que vous avez un autre moyen qui est vraiment genre le best des best pour apprendre un nouveau langage de programmation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.